Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Prod du Volant. Aujourd'hui, on se retrouve sur les hauteurs de Gemnos pour une présentation d'un véhicule un peu spécial, une série 3 E21 de 1979. C'est Jarod, un collectionneur auto qui nous les a apportés. On va vous la présenter. Du coup, on se retrouve avec Jarod, le propriétaire de cette E21. Alors, explique-nous un peu ton véhicule. Salut Arnaud, c'est une E21 3,26 cylindres de 79, une des premières phases 2. Donc, 6 cylindres à carburation, 4 corps Solex. Niveau esthétique, elle est équipée entièrement en Alpina. Donc, la jupe avant, les jantes en 15 pouces, le béquet arrière. Après, elle a quelques options aussi extérieures, donc les vitres teintées comme tu peux le voir. Sinon, pour tout le reste, elle est entièrement d'origine. Elle développe 122 chevaux sortis d'usine, donc une bonne voiture. Donc toutes ces options qu'on voit qui la rendent un peu plus agressive, c'est d'origine. C'est ça, tout à fait. C'est d'origine BMW Alpina, en fait. C'est d'époque. C'est intéressant parce qu'on en voit, rarement quand même des E21 comme ça. Ça la rend vraiment plus agressive, plus sportive. Hein. C'est vrai, tout à fait. C'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs sur ce modèle. Ouais, tu me disais que c'est cette teinte noire puis tous ces accessoires qui t'ont fait craquer quand même pour cette voiture. C'est vraiment, ça m'a fait craquer dans l'univers BM et j'ai commencé avec celle-ci. Et vraiment, je me lance à fond dedans maintenant. D'accord, t'as commencé parce qu'en fait, t'avais jamais eu de BM avant ? Jamais. C'est ma première BMW, c'est celle-ci. Donc pour une première, quand même, t'as joué un petit coup de poker parce que c'est une voiture qui est quand même de 79. C'est vrai. T'as fait pas mal de travaux de restauration. Ouais, pas mal. On en parlera peut-être dans la voiture, tu vas m'amener faire un tour. Ouais, on va voir plaisir. Comment elle tourne. Déjà, j'adore le bruit. Ah, on se paraît. C'est magique. Écoute, ouais, le pet comme ça. C'est. Pour toi, c'est entièrement d'origine. Ça, c'est la ligne d'origine. Ouais. C'est magique. Ça, partout que tu passes, ça pétarade, même en dessous de 2000 tours, ça pétarade tout le long. Ouais. Et franchement, c'est ça qui me fait. Je kiffe, tu vois. Mais ce que je disais, c'est que franchement, on s'y sent bien à l'intérieur. Hein. Ouais. On voit qu'il y avait déjà l'expertise BMW avec l'application. La console centrale là comme ça qui est bien tournée vers le conducteur. C'est ça, tout à fait. Ce volant déjà il est magnifique. Tu me disais c'est pas le volant d'origine? Non, c'est un volant de sport d'époque. Mm-hmm. C'est pas un volant d'origine BM en fait celui-là. D'accord. C'est ce qui m'était un peu dans les rallyes à l'époque. Mm-hmm. Du coup je l'ai laissé. J'aimerais bien trouver un volant type Alpina, le vrai. Je sais qu'ils font des reproductions mais j'aimerais vraiment en avoir un d'origine. En fait. Pour aller avec toute la panoplie Alpina que t'as à l'extérieur. C'est ça, tout à fait. Et après mm-hmm. L'intérieur il sera refait aussi. Bientôt j'espère. D'accord. On va passer en récar au cuir, le volant Alpina, j'aimerais aussi refaire le pommeau de vitesse aussi Alpina en bois d'époque, en bois vernis noir, ils sont vraiment magnifiques. Le soufflé, enfin toute la panoplie Alpina aussi intérieure pour rester dans le style Alpina en fait. Mmh, bien sûr. Du coup t'as quand même quelques idées encore en travaux à faire dessus. Ouais. Alors, mais il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites quand même depuis que tu l'as acheté. En fait, tout ce qui était train roulant, carrosserie, le haut moteur, l'embrayage, le pont arrière, tout ça a été refait à neuf, la suspension aussi, pour pouvoir rouler tout simplement et avoir une bonne auto. Voilà, moi je suis très maniaque, on va dire, sur l'automobile, je veux que tout soit parfait en fait, tout simplement. Je veux pas que rouler avec un truc qui est pas restauré comme il faut, si tu veux. Je veux vraiment que ça soit parfait et que quand on la voit, on se dit voilà, la personne elle a bien bossé dessus, que ça soit vraiment top, tu vois. D'accord. Donc c'est une voiture que tu as acheté à un propriétaire qui était donc déjà un collectionneur. C'est ça, tout à fait. Mais la voiture, elle n'avait pas roulé depuis pas mal de temps. C'est ça, elle n'avait pas roulé depuis 10 ans en fait. Parce que ce monsieur, c'est un très grand collectionneur Porsche. Mmh. Il avait aussi une 21 B6 Alpina. Ouais. Pour son utilisation perso, pour s'amuser. Et il avait gardé celle-ci en fait pour son fils. D'accord. Et en fait, son fils n'en voulait pas. Parce qu'il n'est pas vraiment passionné automobile du tout. Ah. J'ai travaillé chez cette personne 2-3 fois, j'avais flashé sur son Alpina et quand j'ai vu celle-ci sous la base, je lui ai demandé si, ce qu'il comptait en faire tout simplement et il m'a dit qu'il comptait la vendre pour l'extension de maison. Mmh. Moi, il m'a fait essayer la B6 et franchement, j'ai adoré parce que je ne connais pas BM de base comme je te disais. J'ai adoré en fait.
fait, bah, j'ai craqué sur celle-ci tout simplement. J'ai dit, bon, bah, les go, hein, feu. Ouais, c'est ça qui est étonnant quand même, c'est qu'à la base, tu n'es pas un fan de BM. Pas du tout. De base, je suis vraiment plus fan orienté sur les vieilles Golf. Mm-hmm. Les VGT, VR6, les G60, tout ça. Franchement, j'adore ça. J'ai dû avoir une onzaine de Golf. Il m'en reste encore une à la maison d'ailleurs, la 16S, la 3. Et là, je me lance dans BM avec celle-là en fait. Franchement, bah, c'est un régal. Comme on disait, c'est une voiture qui est moins répandue quand même que les E30. Ouais. Les E21, il y en a eu beaucoup moins quand ils produits, je crois que c'était 1 million d'exemplaires, ce qui est énorme quand même, mais par rapport à la E30, il y en a eu 2 millions, j'ai vu. Donc aujourd'hui, ça se fait de plus en plus rare quand même, les E21, surtout en bon état, avec les options Alpina comme ça. C'est vrai, tout à fait. Bah, d'ailleurs, la seule que j'ai pu croiser de ma vie, on va dire, c'est bah, par chance un ami à moi, en fait, je ne savais pas qu'il l'avait. Il a une 318 projection. Mm-hmm. En fait, quand il a vu que j'avais celle-ci, il m'a dit, ah, mais tu sais que moi, ça fait 7 ans que je retape la mienne. Regarde, et je suis allé chez lui, j'ai vu qu'il avait ça effectivement, et j'ai dit, ah, t'en as une aussi, et ça m'a fait bizarre d'en croiser. Mmh. Parce que sinon, j'en ai jamais croisé sur la route, mais vraiment jamais. D'accord. Alors, je sais qu'il y a quand même encore pas mal en circulation, on va dire, mais sur la route, j'en ai vraiment jamais croisé. Pourtant, je bouge énormément avec mon travail, je pars même à l'étranger, tout ça, et j'en ai jamais croisé une seule. Ce qui est vraiment fou en fait. C'est ça. Là-dessus, t'as pas encore tout ce qui est catalyseur, tout ouais, ce qui est en pollution, t'as pas rien dessus. Donc, le 6 il est vraiment brut. Vraiment brut. Ouais. Surtout qu'il est bridé, donc si on le débride, je pense que ça peut être vraiment beaucoup plus lourd, on va dire. Ouais, j'imagine. Donc il y a une option qui manquait, tu me disais une ou deux options, c'est la direction assistée. Donc t'as pas de direction assistée là. Non, du tout. C'est comment il est le feeling sur la route bah en fait, vu que j'ai jamais vraiment pu avoir une direction assistée dans les mains sur mes véhicules, bah on va dire que je suis habitué. Ce qui est vraiment embêtant, on va dire, c'est surtout niveau pour s'égarer en fait. Tout ce qui est créneau, les manœuvres, là c'est assez compliqué, on va dire. Enfin, compliqué, il faut vraiment forcer. Mais sinon, mis à part ça, moi j'adore. Justement, je préfère avoir une direction bien rigide. Tu sens plus là. C'est ça. Ouais, en fait, cette 320, c'est un petit karting quand même. C'est vrai. Donc, sans la direction assistée, on est vraiment là. T'es sur les roues avant. C'est vraiment ça. Je veux vraiment bien sentir parce que la direction assistée, je trouve que c'est vraiment trop fluide pour moi. Et c'est vraiment. Tu vois, quand je m'y attends pas, c'est vraiment trop fluide pour moi et j'aime pas. C'est pas trop assez précis à mon goût en fait. Justement, au niveau conso, ça donne quoi bah là, actuellement, avec mon carbu qui est un peu mal réglé, ouais. Je tourne entre 15 et 17 litres, on va dire, en date. Sachant que je la taquine souvent, ouais. J'aime bien. Donc, normal. Je fais beaucoup de ville, je fais de l'autoroute, parce que je m'en sers tous les jours de la voiture pour aller travailler. Ça fait 2 mois que je roule vraiment tous les jours avec. C'est étonnant, voilà, c'est ça, c'est que tu l'as conduite tous les jours cette voiture. Ouais, et franchement, c'est fiable du coup. Franchement, ouais. C'est très fiable, même si, vu son âge, on pourrait se dire une voiture comme ça, tu la sors le week-end et déjà c'est pas mal d'entretien, mais toi tu la sors tous les jours et ça va. Et franchement, après j'essaie d'éviter de la faire sortir quand il pleut. Bien sûr. Comme ça, prend pas là, j'ai pas envie qu'il y ait un pet de rouille dessus. On se retrouve sur un spot sympa là sur les terres de Gemnos encore une fois avec Jarod toujours présent. Tout à fait. Il m'a fait essayer sa E21 et franchement j'étais agréablement surpris. Je connaissais pas du tout cette voiture, je t'avoue. On connaît les E30, E36. C'est vrai. La E21 c'est vraiment la plus vieille dans la première des séries 3. C'est ça. Et même à cette époque, bah, franchement, BM savait faire des voitures avec un bon moteur et un bon comportement. Tes petites roues en lacets, elle a bien tenu la route. Bon, un peu des mouvements de caisse, c'est engageant comme voiture, c'est ça qu'on aime aussi dans ces voitures de collection. Tu me disais que tu voulais faire quelques modifications quand même pour rigidifier le châssis. C'est ça, j'aimerais augmenter la taille de la barre stabilisatrice arrière et lui monter un pont autobloquant aussi par la suite. D'accord, ça lui permettra d'être beaucoup plus maintenu sur la route. C'est ça, maintenu sur la route, elle sera un poil amélioré, surtout au niveau de la barre stable. Et ensuite aussi, l'autobloquant, il me permettra de vraiment bien gérer la voiture.
Bon, bah, quand il y aura ces modifications, elle sera encore performante. C'est ça. Tu nous la feras essayer ? Tout à fait, avec plaisir. Bon, bah, ça sera super. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez suivre Jarod sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. C'est ça. Vous aussi, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur YouTube en vous abonnant. Dites-nous si vous avez aimé ce type de contenu dans les commentaires. À la prochaine.